Ça va être sympa la route. Let's go l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier, de nouveau Paul et Lucien. On se demande ce qu'il fait là, mais il est là. On est à la montagne et ça va borner, ça part sur 5 heures. On va se squinter. Il y a un gars qui arrive, on peut prendre sa roue si vous voulez. Ah bon, il est mort lui. On attaque directement les choses sérieuses avec des pentes à 12% d'entrée de jeu pour se chauffer. Côte de Domancy pour bien commencer la journée. 13%, 14%. Ouais, là, c'est quelque chose. On va être affûté ce soir, nous. Ouah, la montagne là-bas. Heureusement, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, la sortie continue, l'équipe. On a perdu un élément. Lucien, il n'était pas bien aujourd'hui. Du coup, il va faire une sortie tranquille. Il ne va pas faire les 5 heures avec nous. Là, on a 1h30. Pour l'instant, c'est top. Col des saisies. 12 km de montée. Et on rattrape un cycliste là-bas au loin. Vous ne voyez pas, je crois. Premier petit arrêt fontaine. Ah, je vais demander au monsieur si elle est potable. Je l'ai vu prendre de l'eau tout à l'heure. Ah, mais pourquoi il la prenait pour boire? Ah, mais il connaît, il est d'ici. Parce que là, moi, j'en ai bu un peu, mais j'ai peur de finir comme Arthur Pochard l'année dernière. Ouah, il est en train de squinter les vélos, lui. J'espère que ça me fait pas trop mal. Ouah, ça glisse. Oh, j'ai glissé, j'ai fait un petit ride sur la passerelle, là. Ouais, elle a l'air vraiment bien. Mais elle est super bonne. Bonjour. Bonjour. Vous nous conseillez de boire l'eau ou pas? Bonjour, hein. Ah bon alors. Ah ouais. Ça va pas mal. Elle est fraîche, hein. Ah oui, elle est super bonne. Bon, je vais pas me gêner pour boire alors. Si vous en prenez. Petit problème mécanique pour Paul à 2 km du sommet. T'as regardé si c'était pas desserré la roue? Ouais, mais je pense juste j'ai un maillon dur à un endroit. Il pense avoir un maillon dur. Pff, on est arrêté à l'ombre là, ça fait du bien, il fait une chaleur. Tu vas repartir comme ça, tu trouves pas le problème? Y'a rien. On repart. Bredouille, il a pas. Ah, une bête. Il n'a pas trouvé le problème. Oh, pardon. Je fais des zigzags. Du coup, il reste 2 bornes. On va jusqu'au sommet. Et après, on descend par une autre petite route. Avant certainement de s'arrêter à une boulangerie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? Il fallait pas lui donner ça, Paul Martin. Avec son S5, là, il est tout content. C'est nul. C'est nul. Il faut bien savoir faire. Ah ouais? Ouah, aïe, 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 attention. Imagine, mais ça se fait sans shit. Oh, faites une course. Hey, il sait bien faire, enfoiré. Ah, tu sais bien couper, Paul. Tu penses que tu vas plus vite que lui? Non. Enfin, Paul. Moi, je sais pas. Viens là, on organise une course. Allez, on organise. Par contre, vous faites attention, vous tombez pas, hein. Paul, tu fais attention, hein. Vas-y, fais un tour chrono. Mais Paul, par contre, tu te fous pas par terre, je te connais, hein. Je vais essayer, hein. C'est dur ou pas cardio? Non, bah en fait, tu pompes juste, tu pédales pas. Ah, tu pompes? T'es prêt? Go! 3, c'est parti. Ouais, il va tout mettre. Ah non, mais là, il va froisser, en vrai. Hein. Ah, voilà. Non, je pense pas, tu sais que je pense que tu vas plus vite, hein. Il faut qu'il pédale, si vous voulez. Allez! Mais j'arrête tout le chrono. Il va plus vite que moi, arrête. T'arrêtes le chrono là. Ah là, top. 15 secondes 64. Wow, mais ça va vite quand même. Prends pas trop d'élan, Paul, tu triches pas. Hein. 15 64. C'était dur? Attends. Avec ça, ça va? Non, c'est un peu trop gros ça. Ouais. Tu peux pas pomper le truc avec ça. Ouais. Ah, ça y est, il est parti au sprint. Non, ça va. Il met tout. Allez, Paul! Allez, Polo! Il est rapide. Wow. Wow, 15,79. Arrête. 15,64 et 15,79. Bah bravo. Victoire. Tu t'appelles comment? C'est pour le jeu. Noé, ok. Bravo. Victoire de Noé alors. Ouais bon, t'as perdu, mais en vrai tu t'es bien battu. C'est bien. Je suis fier de toi. Allez, c'est reparti. On va mettre le chasuble là parce qu'il va faire froid. Il y a des nuages en plus. Wow, j'ai fait déborder. Petit coca. On est sur une petite bosse bien raide là, avant d'entamer le dernier gros col de la journée, qui sera le col du lac bleu. C'est pas ça? Ah, le lac vert. En gros, il y a un lac.
Là, on a 3h15 de vélo, 90 km, 1732 mètres de dénivelé pour l'instant. Il nous reste à peu près 1000 mètres de dénivelé, un peu plus, en 1h15. Et les calculs seront bons. Je sais pas si vous voyez le lac là-bas. On y avait été l'année dernière. C'était chaud, ouais. C'était chaud parce que tu réchauffais un peu le climat. Allez, je vous laisse, je vous reprends dans le col. Je vais les éparpiller eux là-devant. C'est fou. Bah oui, mais toi dedans, carrément. Je suis à deux doigts là. Hein. Vas-y. Ça fera des vues, hein. Tout pour l'entertainment. Tout pour les vues, hein. Ouah, comment c'est froid. T'arrêtes, ouah, mais tu vas être skimpé pour monter. C'est bien là, je refroidis la patte. Ouah, il y a les veines qui sortent sur la cuisse. Ouah. Wesh. Ouah, la vache, la vache. Là, ça dérange. Ça fout la frousse. Comment je suis trop bien, mon gars. Wesh. Quoi? Ça fait exprès? Non. Ça m'a fait froid, hein. C'est une fontaine. Non, en vrai, ouais, il fait chaud là, l'équipe. Hein. Voilà, c'est. Ouah! Je crains l'eau froide comme ça. Ah, j'avais oublié, j'avais mes lunettes, elles vont être mouillées. Je fais pas ça pour montrer mes chaussettes aéro, hein, croyez pas. Vas-y, fais ça, Gauthier, pour montrer la stage un peu. Non, je vais vous montrer ce que c'est un vrai cycliste parce qu'avec moi, vous commencez à prendre l'habitude de voir des personnes pas très affûtées. Donc regardez un peu ça. Vas-y, mets-toi au soleil, fais sortir la patte. Oh la vache. Tourne un peu extérieur. Non, non, l'autre côté. L'intérieur. Oh la vache. Arrête dans les cuisses, mon gars. Dans la cuisse. Oh, non, c'est grave, c'est grave. Regardez, en plus, on a le même vélo. C'est super beau, là. Hop. Deux vélos, comme ça. En plus, normalement, il a les flambèges aussi, mais là, il les a squintés. T'es bien dans ta baignoire, là? T'as des frissons. Tu vas tomber malade, hein. Ouais, au moins, je pense. Direction le col, juste là-bas. On va monter tout là-haut. Lac Rouge. Non, toujours pas. Il nous reste 9 km de montée. Le panneau était juste là. J'ai pas eu le temps de filmer. Et on est plus que deux. Gauthier, il nous a chiché. Alors que franchement, on roule bien. On doit être à 250 de moyenne depuis le début du col. Largement. Il nous a laissé en plan, pris au dépourvu dans la pampa. J'espère qu'on le retrouvera un jour, hein. Mais là, il s'est envolé vers la victoire. On va faire podium, c'est déjà ça. Ouais. Je me suis esquinté, ça suffit. Je m'ai esquinté. Mais regardez-moi cette vue. Wow. Salut. Ils vont venir ou pas? Ouais, ils arrivent. On est à combien de mètres d'altitude là? 4h02 de vélo, l'équipe. Ça fait 1h qu'on monte. 2459 mètres de dénivelé. Et là, on est à 1343 mètres d'altitude, on est super bien, il fait frais. Oh, la vue de zinzin. Oh, t'es bien monté, toi, non? Ça va, ouais. Là, franchement, hein. C'est trop beau. Dommage qu'il y ait un peu de nuages et tout, là. Putain, Paul, t'es bien monté aussi à la fin. Je t'y ai tracté un coup, ouais. En tout cas, moi, ça va mieux, hein. Les jambes sont bien mieux que qu'en début de semaine. Sachant qu'on est lundi, ouais. Mais là, il reste plus que la petite bosse pour rentrer chez nous. Enfin, petite bosse. En gros, là, on a 20. 400 ou 500 de plus. Mais je suis skinté, là, non? Pouah, je vais manger un bout et... Je vous montre une dernière fois la rue. La vue. La rue, la vraie. Là, très belle vue aussi.
Là, pardon. Ouah, c'est vrai que c'est beau là-bas, j'avais même pas vu. Ouah, les rochers. Et il est où le lac violet là? C'est quoi, je vais regarder sur Google, c'est un coup, c'est vraiment pas loin. Je pense que le lac violet il est par là-bas. Le lac violet ou le lac rouge? Ah, le lac vert. Ah, je confonds. Il est par là-bas? Continuer tout le long de la route, au bout de la route. Ah, on peut aller à la... Il y a une route pour y aller? C'est à 3 minutes. Ah! Eh ben, on va aller voir le lac rouge. Comment t'abuses? Ok, ah ben, on va aller voir ça. Bon, le papy nous avait pas menti, hein. Il y avait bien une route pour aller au lac. On va devoir remonter 2 km à 12%. Au moins, franchement, je pense qu'il y a plus. Franchement, au moins, il y a 12-15. Il nous a mis dans une sauce, mais au moins, le lac est là. C'est super mignon. On n'a pas le droit de se baigner. Paul, il est un peu dégoûté là, sinon il se serait mis tout nu. Il aurait plongé là-dedans. Vous aimez bien le lac, la team? Regarde, il y a une carpe. Quoi? Dites ces trucs à toi. Attends, je vais leur donner à manger. Arrête, tu leur donnes des barres? Je leur donne du... Un bout de chocolat. Regarde. C'est des barres Cliff? Non, ouah, mais le poisson, s'il mange ça, il va faire le tour du lac à une vitesse. Ils osent pas aller y manger. Ils passent à côté. Ça les intéresse pas. Allez, tourisme pour nous. Oh, la flemme de remonter là. Ouais, putain, ça va être dur. Non, mais sérieux, regardez-moi ça. 15%. On serait jamais descendu si on avait su ça. Stade fumier. 15%, 14%, fois comment ça monte. La vache. Ouah. Ouah la vache. Je suis à 7 à l'heure. Ça va être long là. On en a pour bien 15 minutes. Hein. Allez, dernière partie de la sortie. On a 4h33. Il nous reste un peu plus de 30 minutes, je pense. C'est ça, Paul? Ok, ben moi je pense bien 35 minutes. Et d'ailleurs, cette vidéo va sortir jeudi normalement. Et je reprends les courses le lendemain. Je vous prépare une belle vidéo parce que ce sera une course de 3 jours. Du coup, abonnez-vous à la chaîne pour pas louper ça. J'ai pas raison la team? Abonnez-vous, mettez la cloche. N'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram. Je vous mettrai juste en bas. Voilà. Les Instagram de... Paul ici et Gauthier là. Le monteur, s'il te plaît, mets les Instagram. Gauthier est célibataire, je précise. Paul, pas du tout. Il est pris. Va-t-on atteindre les 3000 mètres de dénivelé? On a 2887. Sans problème, j'en serais pas si sûr. Bah, si. On va faire un sacré paquet de virages avant d'arriver à la maison. Ouais, ok, bon ben, on va les avoir alors d'après Paul. On est bien scarantés. On a dépassé les 5 heures de vélo ou pas là? Ouais, moi j'ai 5h01 de vélo. C'est parti, la barrière des 3000 va passer à l'instant. 3000! On est dans le futur, hein. Let's go la team! Une pluie de GG dans les commentaires, une pluie d'abonnements, une pluie de likes. Je vous montre les stats de la sortie parce que là on va arriver au sommet et après on a une minute de descente et on arrive chez Paul. On a 5 heures et 6 minutes de vélo, 131,7 km, tout ça à 25,8 de moyenne. Je vais vous filmer jusqu'à la bascule et après on vous dira au revoir. N'oubliez pas de nous suivre sur Strava, tous nos liens Strava seront dans la description de la vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci la team pour toutes ces vues, tous ces commentaires. Et nous finalement on a broyé la barre des 3000. Avec qui, facile, ça bascule pas tout de suite. Mais moi je vous laisse là. Si vous voulez voir la sortie en entière de A à Z, c'est sur Strava. Bisous l'équipe, à bientôt, on se retrouve en course. Ciao, ciao.
ciao ciao. Gauthier. Gauthier, il est scarpé. Il va falloir traîner dans la maison. À bientôt l'équipe. C'est la bascule.